Hey hey hey, cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge où on retrouve notre petite famille Aubert au cœur de l'hiver. Et la semaine dernière, vous aviez voté pour choisir entre Eulalie et Frénégonde. Les résultats sont tombés. Vous avez choisi de garder Eulalie. Bon, personnellement, je suis un petit peu déçue parce que ben, elle est jouée, toutes les deux très jolies, hein, je veux pas dire, mais. Eulalie, je trouve qu'elle ressemble trop à sa mère et je pensais que bon, un petit peu de changement n'aurait pas été de refus, vu que Frénégonde ressemble plus à son père. Enfin bref, c'est pas très très grave, vous avez fait le choix. Et puis maintenant, aujourd'hui, je vais essayer de voir quel amoureux notre Frénégonde pourra avoir pour qu'elle puisse partir vivre avec lui. Oh! Oh! Mais oui, c'est vrai! Radie devait grandir, vieillir et devenir adulte. Oh, mais t'inquiète, tu es toujours aussi belle, Maradine. Par contre, elle est tristoune, hein. Allez, va pleurer dans ton lit. Bah ouais, je suis désolée, hein, c'est comme ça. Mais c'est pas grave, tu es heureuse quand même, tu as une belle famille. Et en plus, regarde, tout le monde t'envoie un super cadeau. Et voilà la jolie Frénégonde que vous avez évincée. Bon, évidemment, je remercie absolument tout le monde qui s'est engagé, qui a pris parti, en tout cas qui a voté, parce que bon, ça s'est joué à pas grand-chose entre les deux. Mais malheureusement, notre belle Frénégonde s'en ira. S'en ira loin. Quel dommage. De bonne humeur, notre petit Amédée se prépare parce qu'aujourd'hui on va aller au marché avec lui. Et oui, on va essayer de vendre nos petites prodes. Voilà nos belles demoiselles. Je pense que je vais prendre avec moi Frénégonde pour qu'on voit s'il y a du joli mal pour elle au marché. On sait pas, hein, parce que bon, on en a déjà vu pas mal, mais bon, le choix sera à faire aujourd'hui pour moi pour vous en proposer au moins deux parmi tous ceux qu'on a déjà rencontrés. Donc il y a quand même pas mal de bétail, hein, à voir. Tu es tristoune, ma belle. Ah, faudrait que tu mettes le truc anti-mites. Et récupérer de la cire. Ah, on peut enfin récupérer de la cire pour pouvoir refaire un peu de bougie. Mais bon, là, on va aller au marché. Donc on va. Bah, c'est trop tard. On en aura déjà 7 à vendre. Puisqu'on en a 7 dans l'inventaire d'Amédée. Et puis on a 3 sculptures de chaque et 3 pots de miel. Ça va, c'est cool. Bon, Amédée, t'as pas froid d'être en petite tenue comme ça dehors? Il veut jouer. Je vais le laisser se remonter le divertissement parce que ça pêche un peu. Et puis après, on va aller travailler. Oh bon sang, 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 bon sang. Tu vas pas mourir de froid, idiot! Mais franchement, c'est ce que je disais. Ah! Oh, arrête! Arrête! Change-toi! Amédée! 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 Oui! Oh là là, mon Dieu, ça va, il a retrouvé une couleur normale. Ah non, mais je dis pas, hein, ça lui allait bien le blanc bleu avec ses beaux yeux, mais quand même. Faut pas déconner non plus. Ah, c'est bon. Allez, on va aller au marché. Et nous voilà au petit marché. Bon, il y a déjà des trucs. Allez, on va squatter cette table-là aujourd'hui. Je vais installer notre petite jolie table de marché. Bon, on n'a pas grand-chose en miel, hein, mais ce sera toujours ça de prix. Et voilà notre belle table avec du miel excellent et tout ça, des bougies. J'en ai 3 des comme ça, mais elle prend vachement de place. Du coup, voilà, on va augmenter les prix à 50% évidemment. Et ça va être parti! Voilà, on va commencer à faire la vente. Bonjour madame! Dis donc, tu pourrais faire un argument de vente, non? Ou ça va se vendre tout seul comme des petits pains, peut-être, on verra. Oh, mais c'est Sandor! C'est le mari de Cunégonde qui est là, il nous fait de la concurrence complètement déloyale. Enfoiré, va. Espèce d'enfoiré! Oula, 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 m'aider! Pourquoi tu t'embrouilles avec ce jeune homme? En tout cas, il y a une madame qui nous a acheté un truc là. Donc voilà, je crois qu'elle nous a pris une bougie d'ailleurs. Tiens, ta sœur! Comment ça va, Sarah Marie? On va faire une blague sur la mode. Oui! Merci Sarah Marie, elle nous a pris un truc là, adorable, merci. Oui, encore une vente à 38 simflouzes, mais c'est canon ça. Oh là là, et encore 38, c'est les bougies qui partent. Oh là là, c'est du savoir-faire français ça, monsieur. N'hésitez pas, regardez, on va remettre en plus quelques petites
Sculpture de notre cru, là. On sait que vous les aimez, n'hésitez pas. Hein. Franchement, tout doit disparaître. Hein. Ça s'enjaille devant notre stand, hein, quand même. N'hésitez pas à dépenser, videz vos bourses hein, pour nous faire plaisir, quoi. Bourse molle. Regardez cette magnifique sculpture enjôleuse. Franchement, ces deux petits oiseaux qui sont un câlin. Franchement, vous ne le trouvez pas ailleurs. Hein. Regardez qui est là. Anastase, mon beau. Tu connais... Mais non. Comme si t'avais jamais rencontré Anastase, quoi. La honte. Bon, pendant ce temps-là, moi, je remplis les trous quand il y en a de Next Culture. Voilà, ça continue à partir un petit peu. Hein. Pour l'instant, c'est plus les bougies qui partent. Hein. Bah oui, hein, forcément, hein, ça sert un petit peu plus. Oui, allez-y, allez-y, faites-vous plaisir, là. On a des jolies sculptures pour vos enfants, vos petits-enfants, vos grands-parents, tout ça. N'hésitez pas. Oh la vache! Ça vend, les enfants. Je ne sais plus où aller, moi, du coup. Hein. Et elle, là, vu qu'elle est mal à l'aise à cause du travail, enfin, de l'école, ben... Elle a invité quelques garçons au marché, hein, discute un petit peu avec Jonathan, en tout cas. Peut-être que... Voilà. Discute, on fait connaissance. Et ça vend, et ça vend, on va tout vendre. En même temps, on est le seul marchand du marché. Ouais, on va tout vendre. Oh oui! Ma sculpture enjôleuse est partie. Yes! Moi, je la remets, hein, vous inquiétez pas, on en a encore quelques-unes. Qu'est-ce que c'est, ça? Bah, c'est pour un tronc d'arbre, non? Oh là là, quelle honte. Bon, on n'a plus grand chose, il nous reste deux pots de miel, un dragon, un éléphant, une bougie et ça. D'ailleurs, je vais essayer de mettre tout cumulé ici et mettre ma dernière sculpture pseudo-enjôleuse dégueulasse là, qui est un bout de bois. Oui, je préfère quand même les oiseaux au bout de bois quand même. Hein. Mais oui, Anastase, il a pris la petite truc enjôleuse, mais tu fais plaise. Oh. Non mais, il nous reste trois objets quoi. Voilà, on est en train de tout vendre. On aura tout vendu, c'est encore mieux que la semaine dernière. C'est incroyable, ça marche trop bien le marché, je kiffe trop. Bon, bah qui sera l'heureux détenteur du dernier pot de miel de notre stand? Ah, n'hésitez pas. Bon, Amédée, calme-toi. Ça sert à rien de s'énerver, là, tu vas faire fuir les clients. Allez, tais-toi. Tu te tais. Madame, ne vous vexez pas. Mais il reste un pot de miel et j'aurai fini ma journée. Alors, si vous l'achetez, monsieur, madame, n'hésitez pas. C'est de la qualité, premium, fait avec amour. Madame, oh là là, et ben voilà. On a vendu tout notre stock. Je n'ai plus rien dans l'inventaire. Enfin, j'ai des trucs, hein, mais faut pas les vendre. Hein. Par exemple, ça, je vais pas le vendre, hein, faut pas déconner. Voilà, bah écoutez, on a fini notre jour de marché. C'est incroyable. Et nous voilà rentrés à la maison. Du coup, la journée fut tout au fructueuse encore une fois. On est parti, on avait 485, on se retrouve avec 1842 Simflous. Je vais les laisser un peu faire leur life là. Surtout ceux-là qui n'ont rien fait de la journée. Tiens, bah tu vas faire tes devoirs. Allez, les gamins là, c'est direct tes devoirs. Frénégonde, c'est la même, tu vas faire tes devoirs. Et Eulalie aussi. Allez hop, c'est parti. Donc, nous sommes à 1842. On avait 485. On a gagné 1357 Simflouz. Alors, c'est un peu moins que la semaine d'avant parce que j'avais juste bah, moins de choses en fait. Hein. Le miel, il n'y en a plus puisque c'est l'hiver. Non, non, tu fais pas les devoirs. Non, mais il est fou lui. Bah écoute, mange un coup. Non, 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 pas jeter le contenu. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on peut... Non, on va gâcher de la bouffe, là. Oh, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. Tiens, Staffin, tu peux finir le truc. Bref, on avait moins de choses à vendre, mais c'est quand même hyper cool. Donc, moi, je vais calculer le petit bazar pour voir qu'est-ce qu'on doit au seigneur, évidemment. Du coup, notre part de seigneur s'élève à 610 Simflouz. Il nous reste donc dans notre porte-monnaie 1232 Simflouz et c'est déjà une très bonne base. Radhi, tu vas me refaire des macaronis. Non, ça sert à rien, va pas te coucher, dis donc, coquette. Et lui, toi, mais tu fais la vaisselle devant sous mon nez. Mais non. Oh là là. Oh bah écoute, tu vas aller te calmer un petit peu à m'aider. Elle va faire caca en étant en colère. Quoi, ta fille y va? Bah je suis désolée.
t'as toujours un buisson à faire quelqu'un en colère, bah tu peux y aller. Allez, calme-toi maintenant. Bah dis donc, c'est qu'ils sont intelligents ces gosses. Vous allez faire des... Toi, tu fais pas devoir de rattrapage. Bah écoute, c'est bien. Mais... Ils sont plutôt appliqués. Dès que toi t'auras fini, tu refais tes devoirs, cocotte. Hein. Dis donc. On va pas y aller à la chose. Hein. Du coup, je leur ai ajouté quelques jours fériés pour la semaine prochaine, tous les gamins, pour que comme ça, ils évitent d'être totalement irresponsables. Parce que bien sûr, c'est autorisé. Hein. C'est juste que moi, je l'avais pas encore fait jusque-là. Je me suis dit que j'allais commencer à en mettre de temps en temps pour pas non plus, voilà, que ce soit soit complètement irresponsable, ces pauvres gosses. Et du coup, j'ai mis à profit la colère d'Amédée. Il nous a fait une sculpture en colère. Ah ouais, pas mal. Eh ben, ça fera très bien pour le vente au prochain marché. Non, Eulalie. Mais Eulalie, elle aime un peu trop peut-être la nature. Elle préfère encore aller dormir dans un buisson qui a servi, qui pue, plutôt qu'un bon lit douillet. Non, mais n'importe quoi. Allez, il va se faire temps d'aller se coucher, hein, Radis. Radhi et tout le monde. Ouais, bah c'est bon, tout le monde va aller se coucher. C'est parfait. Oh, c'est très bien. Demain est un autre jour. Demain, on va surtout construire des baignoires. Enfin, on. Quand je dis on, c'est Amédée hein, qui va s'y coller. Moi, je vais juste l'assister. Oh là 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 là, ça y est. Il y a la neige qui commence à tomber. Ah ouais, là, on est vraiment, vraiment en hiver. Hein. Ça devient de plus en plus blanc. Hein. Oh là 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 là. On va plus voir du tout les traces des... De nos pierres et tout ça, ça va être... D'ailleurs, le sapin est toujours là, il va falloir que je l'enlève. Faudrait qu'ils... Ouais, j'ai envie de dire, ils ont eu leur cadeau maintenant, je pourrais l'enlever, quoi. Ouais, voilà la courageuse, hein. Elle va aller se prendre un bain alors qu'il neige. Oh la vache. Ouf, franchement, profite. Voilà, elle a pas l'air d'être trop dérangée par la... Par la température. Ma jolie frénégonde. Oh, il n'y a pas de drama là entre les sistas? Parce que entre une aux toilettes et l'autre dans la baignoire, ça m'étonne qu'il n'y a pas eu de... Oh mon dieu, ma soeur, elle a des libères. Non, elle part de l'autre sens. Oh, c'est bien, elles sont mignonnes. Allez, Amédée, fais-nous quelques petites baignoires de ton cru. Parce que demain, on va vendre tout ça. Et à mon avis, il y aura un bon petit paquet de baignoires. Hein. Donc ça, c'est cool. Tiens, Sarah Marie, que fais-tu dans notre petite maison? Bah, viens-y, rentre. N'hésite pas. Fais comme bon te semble. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous allez nettoyer ça, les gosses, là. Il y a Jonathan qui est arrivé pour... Vas-y, tu vas lui proposer de jouer. Puisqu'il fera partie dans les choix. Voilà. Et vous saurez maintenant qu'il faudra choisir entre un roux et... Oh, salut, Jojo. Comment tu vas, Jonathan? Oh non, mais... Tu dois aller aux toilettes. Tu casses pas les pieds, toi. Allez, vas-y, dépêche-toi. Vas-y, parce qu'il y a quelqu'un qui est dans la baignoire, donc... va aux toilettes, ta sœur, elle revient, elle va dire bonjour, elle va parler avec lui. Et normalement, on a demandé à quelqu'un d'autre de venir. Il est là, le deuxième potentiel. Allez, appelle-le. Allez jouer ensemble. Comment ça, tu continues de faire crac-crac? Non, il est encore ado. Bah oui, j'ai vérifié quand même. Qu'ils puissent être adolescents tous les deux. Donc, pour que ce soit Eulalie ou Frénégonde, vous pourrez choisir entre le blond et le roux. Puisque ben celui qui ne gagnera pas vos votes ira avec Frénégonde. Voilà. Comme ça, on fait comme ça. Vous choisissez lequel vous préférez parmi Julien et Jonathan. Voilà, voilà un beau plan là de nos deux belles filles à caser. Et les deux jeunes hommes qui seront fils de Marie plus tard, en tout cas père de leurs enfants, ou du moins on va essayer. Nous avons donc le roux qui est Jonathan et le blond qui est Julien. Lequel des deux vous préférez pour être avec Eulalie, forcément, hein, puisque celui qui perdra ira avec Frénégonde. On avait fait ça pour la génération fermier, on peut continuer à faire ça. Jonathan est roux aux yeux bleus, Julien est blond. Oh, yeux verts. Et tous les deux me plaisent, donc dans les deux cas, je serais contente d'avoir un beau jeune homme comme ça pour faire des bébés. Hein, voilà, n'hésitez pas. Le sondage est dans la description, comme d'habitude. À vous de voir avec qui ces jeunes filles seront maquées. Julien, il est snob et amoureux des chats. Pour un bourgeois, le snob, je trouve que c'est pas mal.
Alors que Jonathan, lui, il est immature et initié en trait de caractère. C'est j'ai un caractère découvert par chacune des filles, donc comme ça, vous aurez les deux traits. Mais regardez, il me fait tellement penser à Fulbert, du coup. Paf, voilà, bah ça c'est Fulbert, enfin c'est Jonathan, mais Fulbert aussi, c'est le trait immature qui fait ça. C'est dommage, mais bon, vous inquiétez pas, hein. Si je dois le jouer, je le materai. Hein. Il fera pas le débile avec des papillons de ses enfants, non. Oh là 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 là, Godefroy, plus rien ne va, papa va te gueuler dessus, parce que tu es un petit con, sévère, hurlé. La la ta la ta ta. Et tu nettoieras ton bordel après, hein, mon petit. Attention, papa arrive. Ça, c'est sûr, c'est que ça doit être agréable, le petit cheveu de cheminée, là, pour se réchauffer. Hein, Godefroy? Hein? En tout cas, on n'a plus beaucoup de sous. Il nous reste 61 simflouz, là, Amédée, il a bien bossé. Il nous a bien fait les petites baignoires du jour. Demain est une autre journée, puisque ce sera la semaine prochaine que l'on reprendra la partie, puisque je préfère aller rapidement que vous puissiez voter, pour que la semaine prochaine, je puisse faire les couples avec les filles, et puis que malheureusement Frénégonde nous quittera. Mais au moins, voilà, parce que comme Eulalie va devenir jeune femme dans très peu de temps, dans 2 jours... Eh ben, il faut que j'accélère, donc voilà. Hein, on a tout compris. Bah, t'es mignonne, Lali. Après, si tu t'ennuies, je pense que je vais te faire la lessive. Bah, on n'a pas de problème, mais elle commence à puer un peu beaucoup dans le panier à linge. Ça commence à puer. Hein. Donc, tu vas me faire la lessive dans la bassine, puisque t'as l'air motivée à te reprendre la responsabilité. Alors, tu commences à prendre le pli, ma petite Lali, ou pas? Eh, mais toi! Mais n'essuie rien du tout, oui, ça va pas. Alors, laisse ta fille faire. Bon, après, c'est vrai qu'elle va nous faire des plaques de verglas, là. Mais tant pis, c'est son problème. Mais Frénégonde, pourquoi tu t'imposes à dormir dehors... de manger dehors, n'importe quoi. Ouais, va à l'intérieur, va te coucher, je sais pas. Et les amoureux? Du coup, comment vous allez? Faut vous retrouver un petit peu. Bien sûr, vous allez pas faire crac-crac, hein, c'est pas possible. Mais au moins, vous montrez quelques marques d'affection. Voilà, oh là là, lui chante la sérénade. Magnifique. Oh là là, oh là là, il s'aime. Il s'aime fort. Non mais Eulalie, elle retourne dormir dans le buisson. Bah, une obsession des buissons, cette fille. Non, mais t'as un fucking lit. Ok, je pense qu'elle veut plus le partager avec sa sœur. En fait, Eulalie, je vous rappelle quand elle était enfant, elle dormait dans le banc en face. Hein. Elle dormait là, hein, parce qu'on n'avait pas de lit. Et on s'était fait piquer le banc. Bah, du coup, elle a pris goût à dormir dehors, dans le buisson. Eh, tout le monde a filé au lit, toi aussi, Amédée, c'est à ton tour. Moi, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à, bien sûr, voter pour le futur prétendant de nos filles. Du premier duo d'art de la génération à qui il faut voter. Partagez aussi ma chaîne et l'épisode sur tous vos réseaux sociaux pour me soutenir et me faire connaître. Je vous fais très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de l'Ordinary Challenge ou d'autres choses. Ciao.